السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني اللقاء بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. درس اليوم هو مخصص للأورتوغراف. Comment prononcer la lettre G؟ كيف تنطق G؟ Lisons les phrases suivantes. Leïla va à la gare. Sami range ses affaires. Elle gravit l'escalier. Où va Leïla? Oui, Leïla va à la gare. Que fait Sami? Sami range ses affaires. Que fait-elle? Elle gravit l'escalier. Maintenant, regardez les mots, la lettre écrite en rouge. G. Donc, c'est gare, range, gravit. Donc, ces mots, ils ont tous la lettre G. Mais, dans le premier mot, on entend gare. Dans le deuxième, range. Dans le troisième, gravit. Donc, la lettre G se prononce de façon différente. الآن سنتعرف متى تقرأ G جيمًا. Quand on prononce le G, J. Donc, G تنطق جيم في ثلاث حالات لا غير قبل E قبل I وقبل Y. Donc, G se prononce J dans trois cas seulement devant E, I, et Y. أما في الجزء الثاني سنتعرف متى تقرأ G G. Donc comment ou bien quand on prononce le G G. إذا تنطق G G في الحالات الآتية قبل الحروف A O, U, والحروف الصامتة, les consonnes. Donc la lettre G se prononce G devant les lettres A, O, U et les autres consonnes. Exemple. Exemple des mots qui contiennent la lettre G mais qui se prononce J. Le village. Un agent. La girafe. Gentil. La gymnastique. L'âge. Le genre, le gendarme. Donc, regardez ici, la lettre G se prononce J parce qu'elle est devant E. Ici, devant E, devant I, devant E, devant Y. Donc, G devant Y, il se prononce J. De G devant I, il se prononce J. G devant E, il se prononce Je. C'est comme ça qu'on sait comment on prononce le G. L'an, sanamurru ila kalimat ou amtila li G indama tuntaqo G. Donc maintenant, on va voir les exemples de la lettre G quand elle se prononce G. Exemple, une
gomme. On dit gomme parce que le G est devant le O. On dit gomme. Go. Un gorille. G devant le O se prononce go. Gorille. Il y a le gorilla. Un magasin. Pourquoi on a prononcé le G G? Parce qu'elle est devant. C'est bien parce qu'elle est devant A. Gros. Parce qu'elle est devant la consonne R. La consonne. أنصحكم بالعودة للدرس الألفابي دو لا لتر فرونسي الموجود في القناة للتعرف على الفرق ما بين كونسون اي فويل. ici c'est une consonne mais o c'est une voyelle. Donc gros. Se déguiser, c'est-à-dire se maquiller, يعني يرتدي قناع أو لا يضع قناعا أو مكياج لتخفي أو للعب دور ما كمثلا دور المهرج أو شيء آخر. Then se déguiser. Donc ici G se prononce G parce qu'elle est devant le U. Une grotte. Une grotte, il y a marara. Le groupe. Le groupe, il y a mjmoua. La grammaire. Nous avons toujours appris la grammaire dans le qasm. Donc, قبل ما نودعكم كنطلب منكم تشتركوا في القناة وتشجعوا القناة لتستمر في العطاء.